C'était vraiment bon, du très bon boulot. On peut passer à la séquence suivante. Ah bah tout de même, hein, ça fait plus de 3 heures qu'on poirote ici. C'est bien la peine d'être une star. On rêve ou quoi? Tout ça pour des petits cascadeurs et un monstre articulé. Oh là là, Hollywood n'est plus ce qu'il était. Ah, Gloria Duke. Quel tournage merveilleux que cette vengeance du pirate! Aucun problème à l'horizon! De grands acteurs, un scénario excellent, un temps idyllique! Oui, Bob, c'est rare, c'est vrai, c'est même très très rare! Hein. De plus en plus rare, mais ça existe encore, la preuve! Hein? Oh, alors, non mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mauvaise nouvelle, Bob. Jusqu'à nouvel ordre, le tournage du pirate est interrompu. Et pour quelle raison? Mais ce farce prétend que les productions Vertigo n'ont plus assez d'argent pour terminer le film. Mais je ne reconnais pas la signature de John Vertigo. C'est louche. Il faut tout de suite appeler Hollywood. C'est ce que je vais faire à l'instant. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone portable? Une seconde, Bob, je vous prête le mien tout de suite. Moi non plus, je ne l'ai pas. On nous a volé nos portables. Oh là là, ce que je peux en avoir marre de l'île de Chabou Chabou. C'est insoutenable, Hollywood me manque. Introuvable. Grant et Douglas demeurent introuvables. Nous avons cherché partout dans l'île, mais sans aucun résultat. Quelle sera la prochaine catastrophe? Bob, je n'osais pas vous le dire, mais la pellicule. La pellicule?
Quoi, la pellicule? Elle a été volée. Ok, fantastique. Vous avez d'autres nouvelles du même genre à m'apprendre, dites-moi. Oh, noble tribun, le fier galion qui nous reliait à la côte a été sauvagement laminé en divers endroits. Il ne pourra désormais plus jamais voguer. Zanzibar veut dire, je crois, que le bateau a été saboté. L'ennemi invisible, à n'en point douter, se trouve sur l'île. Il n'attend que le moment propice pour nous faire du mal. En tout cas, il ne sera pas dit que si on l'attaque, Flanagan restera en peine. Parce que chez Milton, jamais ça ne plafonne. Du calme, Flanagan. Nous n'en sommes tout de même pas encore là. Sait-on jamais, Mr. Milton? Demande où Zazie a bien pu se rendre de si bon matin. J'ai un étrange pressentiment, Zéro. Qu'est-ce que c'est? Les triple Z, il ne reste à présent plus que vous deux sur cette île. Toute l'équipe du film est entre nos mains. Paradise, sommes-nous en train de faire un cauchemar? Ce soir, dans le château du pirate Placidingado, nous vous attendrons dans la salle du trône. N'oubliez surtout pas de vous munir du bouclier magique, sinon vous ne reverrez jamais vos amis, en particulier la dénommée Zazie. À minuit précise, nous vous attendrons. Et soyez exacts. Signez son Altesse Sérénissime Lorna et son prince consort Ramon, qui déteste attendre. C'est donc le couple Ratapoc l'enfer. Par Ops, je préfère la cité d'Hollywood. Tranquillitas, frérot. Croyons en notre bonne étoile. Enfin, vous voilà, les Zed. Ça n'est pas trop tôt. Vous ne trouvez pas ça amusant comme tous les pièges en tout genre du château Placidingado? En effet, très drôle. Cependant, citoyenne l'enfer... Apprenez qu'au château, nos gens nous appellent Majesté. Car tel est notre bon plaisir. Ah. À tes ordres, Majesté. À la bonne heure. J'ai entendu ma petite reine. Comment monsieur nous cause? Donnez-nous le bouclier, nous désirons le regarder de plus près. Et ensuite, tu libéreras nos amis, Majesté. Vous avez notre parole. Sans doute, mais que vaut-elle? Enfin, il est à nous, rien qu'à nous. Oh, petite reine adorée, c'est le plus beau jour de ma vie. Où retenez-vous nos amis prisonniers? Tu as donné ta parole, Majesté. Fatalitas, c'est vous. Nous ne devons pas les laisser nous échapper. Allons, dépêchons-nous, Zanzibar, il faut absolument retrouver nos amis. Et si nos amis étaient à l'intérieur de la baleine volante? Acta
non, non, Acta Est Bifana. Acta Est Balafa. Ah, j'ai oublié, je ne vois plus qu'une seule solution, Ramon. Mais laquelle, ma petite reine? Elle connaît la formule. Après quoi, nous la balancerons au requin dans le Pacifique. Tu es vraiment la crème de la crème, mon ange. Nous sommes si près du but que j'en tremble, Ramon. Ad libitum. Vous tombez à pic, les triple Z. Donnez-nous la formule magique, sinon, sous vos yeux, en direct, je change votre cher ami en glaçon. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juste, ma Lorna, c'est la faute à pas de chance. Je te jure que ces maudits triple Z vont passer un sale quart d'heure. Il faut retourner au château afin d'arracher nos amis aux griffes de ces infâmes citoyens déchus ratapoc l'enfer. Allons-y. Quel est ce labyrinthe? Les amis, il ne faut surtout pas s'éloigner les uns des autres. Ah, oh, si seulement nous pouvions, comme Ariane, guider Thésée grâce à un fil qu'elle lui tendit afin qu'il puisse retrouver son chemin. Ils ne s'échapperont jamais de ce labyrinthe. Ces crétins-là, on va les cueillir comme des barrettes. Stupide, mon pauvre Ramon. Oh, Ramon! D'après les plans du pirate, Placidingado, c'est par là. Nos amis sont emprisonnés non loin d'ici. Leur voix semble en effet très proche. Regardez, là, le soupirail. Les triple Z, faites vite, sauvez-nous. C'est un vrai cauchemar. Noble tribun, nous allons tout faire pour vous libérer. Seulement, il nous faut découvrir la porte de votre cellule. Attention, nous avons de la visite. Vous voyez bien que vous avez perdu la partie.
compagnie. Cette fois-ci, vraiment, les triple Z ne s'échapperont pas. Ils ne ressortiront jamais de ces oubliettes. Jamais. Quelle nouvelle idée diabolique viens-tu d'avoir, ma chère Lorna? Te souviens-tu de notre grand film « Lucrèce Borgia prend son bain » Oh, quel talent nous avions déjà. Enfin, surtout moi. Cette scène admirable où Lucrèce fait déborder sa baignoire. Ah, si je m'en souviens. Ah, tu es géniale, mon impératrice. Je suis terriblement inquiet, mon cher Marcus. Je ne vous le cache pas, on a plus de 3 jours que j'essaie de joindre mon équipe de tournage, mais alors complètement en vain. Comme si l'île de Chabou Chabou était rien de la carte. Même le fax ne passe pas. C'est un drame. Il n'y a qu'une chose à faire, prévenir le shérif Jack the Lad tout de suite. Décidément, Ramon, ce pirate avait le goût des détails. Il avait pensé à tout, absolument à tout. Oui, madame. Oui. Absolument à tout. J'espère pour nous qu'ils ne savent pas nager, parce que dans quelques secondes, ça va faire très, très mal. Surtout pas d'affolement. Nos épreuves ne font que commencer, frérot. Que d'eau. Pourvu que mon frère parvienne à nous secourir. Comme c'est bizarre, je n'aperçois pas ce petit imbécile de Zéro. Où diable peut-il donc être passé? Il se trouve ici, Majesté, tout près de toi. Surprise! Ah! Cette fois, Belzonius ne nous échappera pas! Quelque chose me dit, infâme ratapoc, que vous allez avoir affaire à moi et à Belzonius. Il vous faut en premier lieu arrêter ce torrent d'eau pour sauver nos amis. Autrement, jamais le bouclier ne sera en votre possession. Fais ce qu'il te dit, Ramon. Ok, alors non! Mais enfin, c'est pas trop tôt. Ouf, à la bonne heure. Et maintenant, le bouclier. Pourquoi donc ne viens-tu pas le quérir? Il n'attend que toi. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un bouclier pareil? Dénué de m'obéir. Par Pharès, Belzonius, montre à ces deux citoyens déchus l'autre versant de ton caractère harmonieux. Par ici. Nous devons réussir. Vite. Que nos forces soient décuplées. Pitié pour les stars. C'est ton tour. À présent, Ramon, nous allons jouer notre dernière carte. On n'a pas intérêt à rater notre coup. Ah, tu as toujours eu le génie des épilogues. Bonjour. Oh!
du pirate Placidingado vont m'être enfin d'une extrême utilité. Allô, allô, ici Jack de l'Inde. Malgré la tempête, nous allons essayer de nous poser en urgence. Les Triple Z et leurs amis sont en très grand danger. Lola a entendu mon appel. J'ai peur, Lola. J'ai peur. Les policiers, les voiliers. Oh là là, les voiliers. Oh, ça suffit. Je veux dire, ça suffit. Passez-leur les menottes. Convoiter le bien d'autrui est un péché capital. Au désespoir. Citoyens, citoyennes, après ce regrettable incident, nous avons l'honneur de vous annoncer que le tournage du film peut reprendre. Au sol ou dans les airs, des chutes spectaculaires, à des vitesses.